Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous imagine allongé, prêt pour cette méditation, durant laquelle nous allons bien respirer et nous détendre en profondeur. Cette séance sera également disponible en version voix seule, mais pour cela, vous devez être inscrit à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Les versions voix seule seront à présent uniquement accessibles avec des liens privés que vous recevrez par mail. À ce jour, YouTube ne nous autorise plus à publier des versions différentes par méditation afin d'éviter, à leurs yeux, du contenu répétitif. Prenez le temps de vérifier votre position. Allongé sur le dos, les bras et les jambes légèrement écartés. Vous êtes bien installé, les yeux fermés, et vous vous laissez aller à ce moment uniquement pour vous. Prenez conscience des points d'appui de votre corps avec le matelas ou le sol. L'arrière de votre tête. Vos omoplates et vos trapèzes. Vos bras. Vos mains. Votre dos. Vos fesses. L'arrière de vos cuisses. Vos mollets. Vos talons. Laissez ces appuis s'approfondir, s'alourdir un peu plus. Maintenant, placez votre conscience vers vos deux pieds. Écoutez les ressentis au niveau de vos deux pieds. Faites la même chose avec vos deux chevilles. Vos mollets. Vos genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Votre ventre. Le bas de votre dos. Votre plexus solaire.
le milieu de votre dos. Votre poitrine. Le haut de votre dos. Vos trapèzes. Conscience de toute votre colonne vertébrale, tout votre dos. Conscience de vos deux mains, vos poignets. Vos avant-bras. Vos coudes. Le haut de vos bras. Vos épaules. Votre nuque. L'arrière de votre tête. Votre visage. Décomposez maintenant toutes les parties de votre visage en prenant bien conscience de votre front. Vos sourcils. Vos yeux. Vos oreilles. Votre nez. Vos joues. Vos lèvres. L'intérieur de votre bouche. Desserrez bien les lèvres, les dents, les mâchoires. Déglutissez pour bien relâcher votre gorge. Prenez conscience de tout votre corps. Savez-vous que bien respirer et contrôler votre respiration vous conduira à mieux vivre pleinement l'instant présent, prendre du recul face aux événements de votre journée, lâcher prise, retrouver une certaine confiance en vous et vous sentir en accord avec vous-même, car, oui, respirer, c'est vivre. L'influence de la méditation et de la respiration sur la santé physique et psychique est connue depuis des siècles par les pratiquants du yoga et de nombreux chercheurs. Scientifiques et physiologistes reconnaissent désormais les effets positifs du yoga, de la méditation et de la respiration consciente. Cela améliore le fonctionnement des systèmes respiratoires, digestif, cardiovasculaire,
nerveux, endocrinien et glandulaire, mais aussi une meilleure gestion du stress, des états anxieux et des émotions, une meilleure maîtrise des différents états de conscience conduisant à une plus grande créativité dans tous les domaines de la vie, un développement de l'attention et de la conscience de soi, le soulagement de l'insomnie et des troubles du sommeil, de mieux gérer la douleur, le soulagement partiel des états de dépression et de désespoir associés à des maladies chroniques, une diminution des besoins de drogue, d'hypnotiques et de sédatifs, une diminution de la tension artérielle permettant d'agir sur l'hypertension, la possibilité d'être actif dans les processus internes de guérison, même pour les maladies graves. Respirer en méditant, c'est-à-dire faire de la respiration l'objet de notre méditation et s'en servir comme support, est donc très important. Prenez le temps maintenant d'écouter votre respiration naturelle. Ne faites rien d'autre que d'observer le mouvement naturel de votre souffle. Prenez conscience qu'avec votre respiration, vous renouvelez en permanence l'oxygène de vos cellules et vous vous maintenez ainsi en vie, car respirer c'est vivre, c'est être vivant. Continuez pendant quelques instants. Soyez juste conscient que vous prenez votre souffle de vie dans l'univers à l'inspiration et que vous expulsez ce qui est vieux et usé à chaque expiration. Nous allons maintenant effectuer un travail respiratoire un peu plus volontaire, car la respiration est le seul organe autonome sur lequel nous avons le pouvoir d'agir. Placez à présent vos pieds sur le matelas ou le tapis en montant et pliant vos genoux. Gardez vos pieds légèrement espacés de la largeur de votre bassin. Puis, laissez tomber vos genoux l'un contre l'autre afin d'être dans une position très confortable. Cette position vous aidera à bien relâcher le dos. Laissez vos bras le long du corps. Inspirez profondément, doucement, en essayant de sentir votre ventre se gonfler. Puis, observez votre poitrine qui s'ouvre vers le ciel, vos côtes qui s'élargissent légèrement, et votre souffle qui monte jusque dans vos épaules. Puis, vous expirez simplement mais profondément, doucement, en vidant bien l'air de vos poumons
et en sentant les épaules qui s'abaissent, le thorax qui se rétrécit un petit peu et votre ventre qui se creuse. Soyez conscient du trajet de votre souffle et des mouvements qui s'effectuent à chaque inspiration, à chaque expiration. Faites cela pendant quelques instants. À présent, allongez vos jambes puis relâchez. Profitez de cet instant en accueillant vos ressentis, vos sensations. À nouveau, replacez vos pieds sur le matelas ou le tapis en montant et pliant vos genoux. Gardez vos pieds légèrement espacés de la largeur de votre bassin. Puis, laissez tomber vos genoux l'un contre l'autre comme s'ils se faisaient un bisou. Placez vos mains sur vos épaules. Vous pouvez croiser les bras ou non. L'important est que la position soit confortable pour vous, sans tension dans les bras. Inspirez profondément, doucement, en laissant vos épaules se remplir d'oxygène. Sentez vos épaules qui montent vers le haut. Imaginez un petit ballon qui se gonfle à l'intérieur de vos épaules, qui s'élargissent dans toutes les directions. Puis expirez et sentez vos épaules qui descendent vers la terre. Vous inspirez profondément, lentement, vos épaules montent vers le haut et se remplissent d'oxygène. Vous expirez profondément, lentement, et vous laissez vos épaules se poser vers la terre, descendre vers le bas. Faites cela pendant quelques instants.
et vous relâchez. Vous déposez vos jambes, vos bras sur le support. Accueillez vos ressentis, vos sensations. Acceptez totalement ce qui se passe en vous. Placez encore une fois vos pieds sur le support en montant et pliant vos genoux. Gardez vos pieds légèrement espacés de la largeur de votre bassin. Puis, laissez tomber vos genoux l'un contre l'autre. Placez maintenant vos mains sur votre poitrine avec les talons des mains posez sur le côté de votre poitrine, de chaque côté, et vos doigts sur le devant de la poitrine. Inspirez profondément, doucement, en gonflant votre poitrine. Sentez votre poitrine qui monte vers le ciel, vos côtes qui s'élargissent. Imaginez un petit ballon qui se gonfle à l'intérieur de votre poitrine, qui s'élargit dans toutes les directions. Puis expirez en forçant un peu l'expiration et sentez votre poitrine qui se ferme, qui se rétracte vers l'intérieur. Vous inspirez doucement, profondément. Votre poitrine monte vers le ciel. Vos côtes s'élargissent. Vous expirez profondément, lentement, et vous laissez se rétrécir tout l'espace intérieur de votre thorax. Continuez pendant quelques instants. Allongez vos jambes et vos bras, puis relâchez. Profitez de ce temps de repos. Soyez bien à l'écoute de vos ressentis. Replacez une dernière fois vos pieds sur le matelas ou le tapis en pliant vos genoux. Gardez vos pieds légèrement espacés
de la largeur de votre bassin. Puis, posez vos genoux l'un contre l'autre. Placez vos mains sur votre ventre. Inspirez profondément, doucement, en gonflant votre ventre. Sentez votre nombril qui monte vers le ciel, vos côtes qui s'élargissent un peu, et vos lombaires qui s'enfoncent légèrement sur le support. Imaginez un petit ballon qui se gonfle à l'intérieur de votre ventre qui s'élargit dans toutes les directions. Puis, expirez profondément, doucement, lentement, en forçant un peu l'expiration. Sentez votre ventre qui se creuse et se contracte à l'intérieur. Vous inspirez doucement. Votre nombril monte vers le ciel. Vos côtes s'élargissent un peu. Vous expirez lentement, profondément, et vous laissez se creuser tout l'espace intérieur de votre ventre. Pratiquez cela pendant un moment. Vous relâchez vos bras et vos jambes. Vous accueillez vos ressentis. Vous profitez de ce temps de repos. Maintenant, placez à nouveau votre conscience vers vos deux pieds. Écoutez les ressentis au niveau de vos deux pieds. Observez si vous constatez une différence de sensation par rapport au début de la séance. Faites la même chose avec vos deux chevilles. Vos mollets. Vos genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Votre ventre.
le bas de votre dos. Votre plexus solaire. Le milieu de votre dos. Votre poitrine. Le haut de votre dos. Vos trapèzes. Conscience de toute votre colonne vertébrale. Tout votre dos. Vos deux mains. Vos poignets. Vos avant-bras. Vos coudes. Le haut de vos bras. Vos épaules. Votre nuque. L'arrière de votre tête. Votre visage. Décomposez toutes les parties de votre visage en prenant bien conscience de votre front. Vos sourcils. Vos yeux. Vos oreilles. Votre nez. Vos joues. Vos lèvres. L'intérieur de votre bouche. Desserrez bien les lèvres, les dents, les mâchoires. Déglutissez pour bien relâcher votre gorge. Prenez conscience de tout votre corps. Revenez vers l'écoute de votre respiration. Redevenez le témoin de votre souffle. Comment sentez-vous votre respiration dans l'instant présent? Dans quel état intérieur êtes-vous maintenant? Accueillez simplement ce qui vient,
vos ressentis, sans jugement et dans l'acceptation de ce qui est présent. À présent, relâchez votre attention et revenez vers un état de lâcher prise et de détente profond, de plus en plus profond. Vous pouvez maintenant vous laisser couler, glisser vers un sommeil réparateur ou simplement vous reposer pendant tout le temps qui vous semble nécessaire. Si vous devez retourner vers votre quotidien, prenez tout le temps dont votre corps a besoin pour revenir. Revenez lentement, doucement, dans le respect de votre corps. Autorisez-vous à faire ce qui est bon pour vous dans l'instant présent. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle pratique. Prenez bien soin de vous.